L'île de Groix, ou île au Grenat, située à 5 km au sud de la Bretagne continentale, est accessible par ferry au départ de Lorient en 45 minutes. La traversée permet de passer près de la base des sous-marins allemands, datant de la Seconde Guerre mondiale, du port industriel. That I left in your care. It would buy me the food for... Puis de longer la citadelle de Port-Louis et ses impressionnants remparts. Le ferry croise des chalutiers, rentrant au port de Lorient. And it would buy me a burn. And it would buy me a grey coat to keep my back warm. Après avoir admiré les falaises de Per Erlan, on arrive à Portudy qui abrite quelques bateaux de pêche, mais surtout de nombreux voiliers de plaisance. Deux balises, une rouge et une verte, gardent l'entrée du port. Autour du port, de nombreuses boutiques liées au tourisme, mais également aux produits de la mer. Par le sentier côtier, une promenade facile permet d'admirer la plage des grands sables, ou des sables blancs, le feu de la pointe de la Croix. Puis la plage des Sables Rouges.
Un plateau rocheux conduit à la pointe des Chats et à son célèbre phare dit « des Chats ». Le retour peut s'effectuer par Locmaria et le bourg, puis retour au port. Un super parcours d'environ 10 km.